Alors, on joue avec Electrocute. On a pris Transcendance pour avoir 10% de CDR au niveau 10. Du coup, potentiellement, niveau 6, je vais ult. Niveau 10, on va refaire un ult et ça va être stylé. Alors, je rappelle que Electrocute ne fonctionne pas avec le Q de Talia. C'est juste qu'on va devoir faire un combo pour qu'il fonctionne. Ou 3 auto-attaques, ou 2 auto-attaques, un sort. Vous connaissez le truc. On rate un minion parce qu'on est très très fort. Alors, Maître Yi Jungle, ça gank quand ça? Ça peut gank vite ou pas? Donc lui, il a énormément de sustain, je vais juste me concentrer sur mon farm. Je vais aller warder un peu deep. Je vois qu'il y a mon Kha'Zix, j'en profite pour ward encore plus deep. On regarde s'il y a le Maître Yi ici, je l'aide au cas... Ok, non, il arrive. J'ai mon ignite, hein, ça va être rapide. Hein. Oh, il a smite, il a trop bien joué. Ok, nice. Elle va devoir flash. Elle. Ok, on a eu un flash, c'est cool. Bon, on joue ultra agressif. Hein, je vous préviens là, ne faites pas ça dans vos games. Je pense pas que c'est worth. C'est juste que là, j'en ai profité parce que j'ai vu mon Kha'Zix. Mon Gnar est en train de push. Si contre une veine au début, c'est de la merde. Du coup, ça passe. Alors, j'ai raté énormément d'expérience et de farm. Quoique, finalement, il a même pas push. Donc, c'est parfait. Ouais. Je me disais comment j'allais me démerder pour farmer tout ça. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être très compliqué. Aïe. Ah, j'aurais pas dû le taper, lui. Bon, c'est passé, j'ai pas trop de problèmes de mana, c'est bien. Par contre, j'ai flash ignite, hein. Là, toute la game va me tomber dessus. J'ai pas de sum. On fait proc l'électrocute. Ah, j'ai perdu beaucoup de mana avec le combo en vrai. Quand vous faites flash ignite et vous avez pas le kill, vous êtes potentiellement dans la grosse merde. Surtout que si le midlaner en face n'a rien utilisé. Par contre, il joue pas avec ignite alors qu'il aurait pu me défoncer avec ignite. Il a préféré jouer safe. En fait, j'ai eu peur, il allait sur moi, j'ai cru qu'il y avait un maître Yi. J'aimerais back avec mon tome de mana en vrai. Tout cool. On se casse, on a le tome de mana. Je vais en profiter pour aller ward. Ah, c'est un dragon de feu. Oh shit. Merde, pire ward, je voulais pas la mettre là. Je peux pas mettre ma ward ici en fait. Ah, mais attends, mais j'ai une. Ah, j'ai une ward zombie, j'avais complètement zap. Qu'il y a moyen que je fasse un truc. Electrocute, Ignite. Alors, est-ce que vous saviez si. Parce qu'en fait, je viens de voir ça, c'est que Electrocute fait proc une charge de. Merde. Oh non, j'ai raté ça, vraiment. Laissez-moi mourir! Le Vladimir qui a joué ultra agressif, j'ai pas très bien compris. Ok, bah ça se passe plutôt bien, on a raté notre petit retard. Il prend cher. Donc là il va avoir son Q chargé, faut que je fasse attention. J'ai mon ultime, je peux aller à la botlane. Ok, je vais à la botlane. Ah mais ils font les ouf de ouf en plus. Oh shit. Est-ce que j'ai de l'aide ou pas? Non, j'ai pas d'aide. Je pensais qu'il y avait le support avec moi, merde. Ah! De le perdre. Je vais aider un maximum la botlane. Oh, il m'a même pas vu, purée, il m'a pas vu. Il y a un maître leader derrière moi. Vas-y, cue moi. Voilà, à la plus. Mais moi je suis pas invincible là. On le tue, go. GG. Lui il a son ult, on esquive. Il a sa flaque, il a foiré, il est mort. Non, il va super vite. Oh le sidestep qui m'a mis avec sa vitesse. Elle a pas de mana pour eux.
Bon, il va avoir son cul, mais c'est pas très grave. Oh ok, c'est bon. C'est compliqué, hein. C'est assez compliqué, mais ça va, j'aime bien. Je m'en bats les couilles de mon... Ça flash. Mais viens mêler, trou de balle! De quoi il a peur? On les défonce, il a flash, on a tout. Non, mais il a son W! Bon, j'ai mon ult, on va aller à la... Oh, on est niveau 10, on a 10% de CDR en plus. Oh, on est déjà à 30% de CDR. On va aller catch le... On va aller catch lui, là. C'était du max range de partout, là. Mon ult max range, mon W max range. Lui, il fait ça. Fuck. Mais il y en a un qui va push. On va perdre... Putain, non. Ils font des trop bonnes rotations, là. Le geek est bon, hein. Non, mais on est trop tard, hein. Et c'est tellement trop tard pour l'héros de la faille. Fallait soit qu'on prenne la tour du bot plus mid. Mais j'ai l'impression qu'on est assez lent finalement. Non, mais c'est possible par contre, hein. Non mais ouais, qu'il aille défendre. Mais par contre Kha'Zix il aurait dû m'aider pour prendre la tour. Dommage, le Kha'Zix qui est un peu perdu. Aïe aïe aïe. Bon bah heureusement qu'on a acheté la stopwatch, hein. Putain. Et on se casse. Boost. Pouh, la stopwatch. Ah, j'aurais pu ignite. Et j'ai ignite elle alors qu'elle est super à méga résistance. Fuck. Ah, j'ai fail. Ah, j'ai un blue buff. Il est assez loin là, mine de rien. Ah mais j'ai les deux pires qui vont me mettre dans le mur en fait. Bon là ils sont fuck là. Ok, parfait. Bon, ils ont une vision ici. Ils vont prendre mid lane par contre, hein. Ok, je vais essayer d'aller défendre mid lane. Ah ouais, mais mon ult il revient toutes les minutes 30, c'est parfait ce coup, putain. Il a esquivé mon W évidemment. Allez, à plus. On va zonier pour gagner un petit peu de temps, même si je suis mort. Lui, je vais lead knight pour pas qu'il récupère trop de vie. Peut-être que le Kha'Zix peut l'avoir. Allez, un petit Q, voilà. Bon, là, je me suis fait... Ouh ! Ouh, beau gosse ! Bien joué, allez, on tue la veine rapidement. Allez, encore une petite auto-attaque. GG. La Poppy qui va mourir. Il se fait lead knight, lui, très bien. Kha'Zix ! Kha'Zix a zéro vision de jeu, le pauvre. Joueur de la lane. On lui fait zéro dégâts. Et lui par contre il me détruit. Hein. Non, je l'ai tiré dans le groupe. Non, va-t'en. Oui. Je suis mort. Okay. On va prendre un peu plus de dégâts. Donc on va prendre ça. Et en vrai, mon mur, il faut que je le place à un moment dans la... Mon mur était bien placé pour Gnar en fait, mais je sais pas à quel moment le Gnar a fait son ulti en fait. Parce que Gnar Talia c'est un combo en fait. Parce que je place le mur derrière eux, et Gnar comme ça il peut les mettre tous dans le mur.
Mais là, je prends beaucoup trop de risques. Alors qu'à Willow, je prendrais jamais autant de risques. Là, il faut que je zone. J'ai mon mur. On peut, hein. On peut, hein. J'ai mon mur, ça va les zoner de ouf. Hein. Faut juste que je me place bien. Genre là, on le touche normalement. Non, pas du tout. Pas mal, ça ramène Poppy. Ok, c'est pas mal. On va cancel l'ultime de Jean comme ça. On va même le tuer. 4 kills, on peut baron. On peut baron. Ah mais ils ont pris un inhib en fait. Ok d'accord. On va aller tuer l'autre là. Le bon fetch tech des familles. Allez go baron. Ils vont arriver vite hein. Faut faire gaffe, on n'a pas de jungler. Moi j'ai toujours mon ignite en vrai hein. Vas-y je l'ai ignite. Il est relou, toute l'équipe arrive là. Ok. Oh mon dieu, c'est une horreur ce baron. On va se mettre sur les côtés. Moi bon, il est mort lui. Oh purée, je l'ai raté. Non par contre là ils font n'importe quoi. Hein. J'aime pas les barons. J'aime pas les barons parce que regarde, on a les barons. On a le baron, je veux dire. On a juste besoin de groupe, de ralentir, et ça dive et on perd tous les... C'est pour ça que si vous avez le choix entre un inhib ou un baron, prenez l'inhib en fait. Ce sera toujours une valeur sûre, alors que le baron, voilà, full merde. Après j'ai l'impression qu'ils partent mid alors que ça sert à rien. Ah si, ils veulent finir. J'ai pas de Riley. On va ralentir. Hein. Ça va faire gagner un petit peu de temps. Ils vont devoir aller là. Ouais. Ouais, c'était quoi ce cul bourré là? On va devoir give. Hein. C'est pas mal, ils font un peu n'importe quoi là en vrai. Par contre, tu vois là, l'importance du Riley finalement, on le ressent. On va pouvoir les chase là. Moi j'ai de la vitesse avec mon passif. Oh merde. Ok. Ils ont pris une tour, on la give, c'est plutôt pas mal en vrai. Bah GG hein, il en a tué deux, bravo à lui. Ouais, ça va nous assurer hein. Faut jamais Q une Talia, il faut toujours attendre qu'elle fasse son W. Là il m'aurait tué hein. Il avait juste pas à faire son W, son Q. Et parce que moi j'allais attendre qu'il fasse Q pour que je W. Elle est morte hein. Ah putain, je voulais flash. Je voulais instant flash en fait, je pensais pas qu'elle avait autant de réflexes. Mais bien joué elle. Vas-y moi je me casse hein. Soit tu joues Fiddlestick et tu te dis bah tu joues encore un autre truc un peu plus pété mais bon, c'est pas très grave. Ok il a flaque. Putain mais il prend cher hein. Attends là. Oh j'en ai ramené je crois hein. J'ai mon ult dans 10 secondes. Ah oh, merde putain le maître y. Ok non il y a quelqu'un qui back. Qui a back? Cassez-vous, 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 cassez-vous. Vas-y, stun-moi contre le mur. Ça va laisser de la place pour mon équipe. Voilà, super, merci. Je suis pas mort, hein. Ok, je back. Oh, on peut finir, on peut finir, on peut finir, excuse. Ok, on end, je pense. Je pense que là, c'est du end.
Je peux peut-être tempo avec mon Zonia, ça va être chaud, il reste qui? C'est la Vayne. Un Q de Vayne, je pense que je suis mort là, c'est ça? Elle a quoi comme build? Non. Okay. Elle a pas de statique, donc je vais pas crever. Ah, il y a moyen qu'on finisse là. Et elle se donne en plus, parfait. Merci Vayne, allez à plus, on finit. Il va pas pouvoir défendre tout seul. GG, nice. C'était chaud. Hein. Allez, cool. C'est quoi le meilleur jungle et suite? Aucune idée. Elles sont dures à carry, les parties, putain. Bon, là, après, on s'est fait counter. On n'a pas pu prendre trop l'avantage. GG Gnar, il a pas tilt après son 0-2. GG, ça fait plaisir de voir des mecs qui sont concentrés jusqu'au bout. Plus 29, c'est bon, on commence à avoir un bon MM. Oh putain, bah, ils sont gentils, les mecs. Disquette. Oh, on a fait pas mal. Le Gnar a bien joué. Hein. Gnar a bien joué. S plus en Gnar, ouais, GG, mec. Il mérite.